Rebia Godon d'Albamoussou. Ni wao poufi feber, ya konanda la kiren da moufi. Konjara ma bay, yara ma bay kate. Le monde est monde, il y a une amna le club bo xamné bi amna ci deuk way ak agriculture mais deuk yi bu ñuy mag di mag évidemment wax nako sank agriculture da fay dam manam ci biir deuk yi espace yi ñu xam réservoir agriculture bi da fay xawa rétrécir parce que ñin ñi dañuy dëkk fi nga xamné fofu lañ doon bay et naturellement espace bi da fay réduire lolu tax na bé tay ji que ce soit l'ONU à travers la FAO manam organisation bi nga xamné mo topoto duñu wara lek def nañu ay waxtaan yu bari ci sujet et aussi les villes au sein de l'Organisation mondiale des villes jumelées ou au sein des organisations des Cités Unies. Yoyep waxtan nañ ci aussi nan lañu def ba nit ñi nek ci dëkk bi mëna lek lo xamné li ñu koy produire mo baña sori manam mu nek ci biir dëkk bi wala ci li wër dëkk moy agriculture urbaine et périurbaine sensibiliser nit ñi rek ci un combat qui est commun et un combat qui doit être un combat de tous les jours, c'est-à-dire la protection de notre environnement et surtout notre environnement urbain et périurbain. Lolu amna solo parce que menace yi bari na bu ñu waxé kaw ties mais ties docteur woné na salle de gui wër ties vous sortez vous allez vers Morland vous avez une zone de déchets. La route n'existe même plus, c'est une petite yone bo xamné bi dafa yaako mais salté yi de qui nek à droite à gauche il y a une petite partie seulement bo xamné bi mbalit bi demo. Quel impact sur la santé? Qu'est-ce que l'agriculture urbaine et périurbaine peut donner comme point positif et point négatif? On peut les résumer, il y a vraiment les points positifs d'abord. Les points positifs, c'est que ça participe à nourrir la population. Donc, ça participe à équilibrer l'alimentation des populations. Donc, c'est le premier point. C'est très positif. Ce qui est, vous pouvez produire des produits qui sont de la ville de Kébi, nous parlons pour la ville de Thiès et ses populations. Donc, on va retenir que, sur le plan de la santé, l'équilibre nutritionnel dépend de l'agriculture urbaine et périurbaine. Et elle dépendra de plus en plus de cette agriculture. Parce que, justement, on compte sur l'eau pour faire de l'agriculture. On ne peut plus compter malheureusement sur le ciel. Vous avez vu l'Ihewren. Le 27, il a plu. La première grosse pluie a eu lieu le 27 juin. La deuxième, c'est plus d'un mois après. Donc l'hivernage, c'est catastrophique. Il n'y aura ni mil, ni arachides, qui sont quand même les denrées de première nécessité, n'est-ce pas? Donc Rennes à Thiès, dans le département de Thiès, tout au moins, et même dans les autres départements, je crois un peu Mbour et un peu Thior, il y a un problème. Nous avons
du bari ñam bi du am bien que temps ci semaine bi passé mu ngi taw quand même waye taw bi dafa tan donc lolu won nañ ko souralé l'équilibre nutritionnel eh bien c'est un des points forts du programme de végétalisation du programme donc de l'agriculture urbaine et périurbaine ci walu bobu liñ ci mëna yok moy bu féké né nit ka ngi lek bu baax parce que vous n'êtes pas sans savoir que vitamine yu bari jogé wul ci dara les légumes nit likay li tabax yaram mom moy protéine liko jox énergie moy carburant manam carburant énergie de l'organisme moy lepp lu nit et li nga xamné moy moteur musculaire manam sox yi ak cerveau bi moy les glucides manam sucre ñett composants yoyu doyu il faut que mu am ay ferñenté yo xamné il faut nga lek ko pour nga mëna am une bonne santé. C'était une occasion pour parler justement de l'environnement et de notre responsabilité, parce que c'est notre responsabilité de réfléchir sur comment on va faire pour nous bagner, pour que l'ini du tougaï utilise nous bagnerait, nous bagnons. Donc voilà pour un peu pour les points positifs. Et je crois que c'est très important. Nous devons promouvoir l'agriculture à cause de ces points positifs. Les points négatifs, c'est quoi? Bon, c'est surtout l'environnement, les dégradations de l'environnement. Mais je pense qu'il y a deux choses qu'il faut combattre. La première chose, la plus importante, que l'agriculture urbaine et périurbaine peut entraîner chez l'homme, c'est d'abord par le péril de l'eau. L'eau. D'abord, l'eau comme source de production. L'eau qui permet à l'agriculture de marcher, parce que souvent cette agriculture, elle dépend de l'eau, donc on arrose avec de l'eau. Mais il faut que ce soit de l'eau relativement potable. Il ne faut pas que ce soit des rejets de notre consommation intradomiciliaire qui n'est pas traitée et qui va dans les légumes, qui va dans la salade, dans la pomme de terre, que sais-je encore, dans les oignons et tout. Vraiment, ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas bon. À Dakar, nous savons tous que dans les Niaï, on utilise aussi de l'eau qui n'est pas bonne. Le résultat c'est que ndox momu ci légumes yi buñu lekké légumes yoy aussi malheureusement du légumes yo xamné baax na ko ñu té do gis légumes bi xamné légumes bi amna li da ngay gis rafet na rek budé carotte fonk na budé salade verte na budé concombre budé pons voilà donc légumes yi dañuy rafet ni rek ci kaw way ci biir amna ay dégâts yo xamné bu féké na lek nga ko mën na ko jox ci ga lek donc de sorte que par l'eau il faut qu'on utilise l'eau de l'agriculture urbaine et périurbaine et pour cela je pense que il faut traiter l'eau, il faut de l'assainissement. C'est-à-dire, c'est pas un traitement qui donne de l'eau absolument potable pour boire, mais il y a un minimum de traitement de cette eau pour être utilisable à l'agriculture. Lol, c'est très important. Benen bi moy, les pesticides. Le deuxième chapitre, c'est les pesticides. Alors ça, vraiment, on peut en parler à boire et à manger. Parce que l'agriculture, bien que nous sommes dans les zones urbaines et périurbaines, et dans les liens, généralement, c'est une agriculture qui s'accompagne de l'utilisation de pesticides. Or, les pesticides,
sont toxiques pour l'homme, sont toxiques même pour les agriculteurs qui les utilisent et qui les inspirent régulièrement. Alors, il y a dans les pesticides, il y a à peu près trois classes. La classe des organochlorés, la classe des organophosphorés et la classe des carbamates. Donc, généralement, on utilise toutes ces trois composantes, variétés de pesticides. Mais ces pesticides ne sont pas bons pour l'organisme. Il y a des insectes. Nous avons des insectes qui sont bien. Mais souvent, c'est des composés qui bloquent le fonctionnement de l'organisme, en fait, du sang, etc. Et des processus biologiques internes qui peuvent induire des maladies graves, que ce soit des maladies du sang ou des cellules. Par exemple, les cancers, il y en a beaucoup. Des intoxications, j'ai parlé du plomb tantôt, qui peut atteindre les reins, etc. Donc, les pesticides doivent être utilisés de façon méthodique et de façon réglementaire. Mais comme sur nos paysans, généralement, nous avons bagage scientifique pour nous produits et leur toxicité, quelquefois même cette utilisation dans les dosages. Et ensuite, dans le temps de latence. Il contribue à l'équilibre alimentaire. Nous avons un salon. Mais là, c'est mon équilibre économique. Je suis venu à l'économie. 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 Mais là, c'est un peu. Limi permet de recycler un peu ay mbali gi nga xamné dafa nek dëkk yi lolu quand même ak yenen ak en termes d'aménagement limi andi ci liñu woyé ci équilibre psychologique nek yi moy nit ki di dox ci environnement bu neex di noy lu neex etc. ñëwaat na un peu ci limi woyé les métaux lourds quand même et problème yimi andi en termes d'équilibre environnemental. Donc, il y a une question urbaine qui est contribuée à nettoyer les gens et qui nous permet quand même un peu d'atténuer. Mais il y a des effets positifs. Il y a un peu de problèmes dans l'agriculture urbaine. Il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes qui sont utilisés pour arroser. Il y a des problèmes qui sont utilisés. Il y a des problèmes qui lolu da fay yegg ba ci légumes yi nga xamné nit ki bu ko lekké dina am lu mu def ci yaram lo xamni baxul. Benen aspect bi moy wax nako moy pesticide yi nga xamné ñeneen ñu koy utiliser mais du ñep. Yalla def na ni sedd alhamdullilah mom jëriñ di ciwul lolu. Donc amna ño xamné ñom en termes de rentabilité bëgg affaire bi gëna bari rek ak gëna gaaw motax ñu utiliser yenn yi te duñu xam en général naka lañ koy utiliser. Donc moy andi un peu problème de dosage avec formation bi nga xamné ñeneen ñi war nañ ko am. Mais li ci am solo ci lolu moy pesticide du lo xamne lolu lu mën ta ñak la ndax cette ci expérience wala na ni ni pesticide mën nañ ko bañe utiliser te amna yenen pexé yo xam buñ ko tégué li pesticide ni di andi ci garab bi mom mën nako won ak na ci activité set di am fois dinañ ko ci découvrir. Donc benen aspect bi mu évoqué donc moy méthode lourd yi comme ni mu ko waxé en même temps tout nga xamné nap bi nga xamné fa lañuy sukkandiku pour utiliser dox bi wala pour jëm fa lañuy jëmbat ay garab yi ci source donc méthode lourd yi bu len infecté mën na am mais galan ko un peu ci lool donc mu terminer un peu di def plaidoyer donc pour ci agriculture urbaine bi donc ñu gëna yok manam li nga xamné dañ koy bay ci amé ci wax ko fay té wañu yapp yi xamna né suñu mbokk séré yi du ci contane lool waye yakana lool lu am solo mu terminer un peu di lancer ben plaidoyer bi nga xamné li ñuy wax des groupes d'acteurs manam ñi nga xam ñoo sékk dëkk yéek yépp ñu jéma dajé réfléchir quand même de manière sérieuse ci affaire agriculture ben di xol nak ko mëna tek ay pexé yo xam dina ko mëna may doole yu baax ci amé ci dëkk yi. Donc, il y a quand même l'autre, il y a un peu de communication, puis il y a un peu de communication, puis il y a un peu de communication.
bu ñu noppé ci communication bi docteur Cissé Sakho ngeen mën ko yeggé suñu ñaari docteur kenn ki nga xamné ci alam bi lañu lay la gëna nekk docteur kenn ki nga xamné ci yërg yaram la nekké docteur ñu yëjëp tamit di nga ko ma laaj donc sans plus tard dañu jëw ñu jox cadre gi docteur Cissé Sakho mi nga xamné daf ñuy wax un peu ci li nga xamné mom la nak entre ci année yi di yi ñëw ba année 2021 naka la mel yépp fa dëbël mel bu mëna jox dama leen di sébel ne li gën a jafe ci diggante mooy ngay liggéey ak koo xam ne da nga ko war a saytu loolu mànd moo ko mën mànd moo ko mën ndax li tax may wax loolu moo di tane bu fekkente nit ki da ngaa nekk ci biiram muy liggéey di nekk ci ay jafe-jafe di def ay erreur di def lépp te yow nga wul bëccu ko war a seede liggéey ba nga xam ne moom la def pour war koy gébbal ña nga xam ne ñoo koy jox teranga gi nga xam ne moom lay liggéeyee loolu mànd moo ko mën. Kon ci kàddu yi may waxee ni dama ko ci jaajëfal ci loolu. Objectif bi nga xamee ni mooy objectif global li muy wut mooy mu am ñu am verdure ñu am dëkk boo xamee ni bu mënee vert baax na. Lu weesu loolu le vert boobu di jur mu nekk loo xamee ni dañ koy dunde te ñu koy bay ñu am ci loo xamee ni dinañ ci mën a sutur. Ñu koy bay xëy na dina am wàll woo xam ne ñoo koy consommer ndax ñoom it bëgg nañ lu baax waaye dina am wàll woo xam ne dañ koy jaay. Léegi nag loolu mooy stratégie loolu fu mu mënti yegg rek bugg nañu mu yegg ko diggante fii ak 2021 ci biir région bi yëpp léegi mu am ñetti objectif yoo xam ne moom la ñuy wax objectif spécifique ndax boo amee objectif global ne lii laa bugg a def xëy na ni nga koy gën a mën a defee mooy nga yoonal ko ci yoon bu ne nga am loo fay liggéey yoon yëpp nag xëy na sax ñoom ñooy demaloo waaye bi ci njëkk nga xam ne moom la ñu jàpp ci numéro mooy améliorer la consommation en produits agricoles maanaam ñu fexe ba produits yi nga xamee ni dañ koy bay ci dëkk bi ñu yokk consommation mais niñ koy yokkee dañ koy yokki ci aménager ay espace vert yooyu ñoom ñooy nekk ay pôle de production yooyu dañ leen di boole ak ay pôle de consommation bu ko defee lépp nekk ci agriculture urbaine. Bu ko defee fii koo xamee ne nii maanaam danaan damay bay bio moom xam ne ci li muy bay bio lan la ci consommer boppam ak lan la client yi mu am di xaar pour jënd ko ci moom kon ñu nekk kon li ñu yéene ci dëkk boo xamee ne nii ñii dañuy produire di ci lekk di produire di jaay ñeneen ñoo xamee ne nii loolu lañu bëgg a produire waaye végétalisation bi buñ demee ba ci biir di ngeen gis ne nekk rek produire pour lekk nekk na tamit ñu aménager ay cadre yoo xamee ne nii day dundal dëkk bi léegi mu am beneen objectif spécifique mooy numéro 2 objectif boobu mi ngi jublu ci ñuy waxtaane mbir moom ñu koy discuter ci biir dëkk bi di am ay réunion yoo xam ne dañ koy consacré loolu ba ñi nga xamee ni population yi dinañu xam lan mooy consommer local ak ban njëriñ la am comme ni ko docteur waxee nañ xam lan mooy consommer sain ni ko docteur Mbaye waxee nañ xam nan lañuy protéger environnement bi ñu dëkk ak nan la ñuy protéger tamit li ñuy wax biodiversité kon nga gis ne am na wàllu woo xamee ne nii ci wàllu production la xëy na dina am ñu ciy liggéey am ci wàllu consommation dina am ñuy consommer waaye ñun tamit buñ mënoon fépp ci quartier ñu dëkk ñuy waxtaane yi di ci am ay éléments d' information dina baax jafoo léegi buñ amee élément information yooyu ak waxtaan ñun ak yéen dañuy fexe ba nga xamee ni ñi nga xam ne ñooy décidé ci dëkk bi ñu jël en compte li nga xamee ne nii mooy bay bu demee noonu ci biir dëkk bi bu ko defee ñoom décision yi ci war a jël ak ressources yi ci war a indi ñu indi ressources yooyu ba lépp mate kon bu may fàttali bu njëkk bi mooy nañ am objectif boo xamee ni production la ak consommation nañ yokk nañuy bay lu bëri di ci lekk lu bëri ñaareel bi nañ ci waxtaan di xool njëriñ li mu am ñetteel bi ñi nga xamee ni ñoom ñooy suñu ay décideurs nañ fexe ba ñoom ñu jël ay décisions yoo xam ne dañuy dem ci sens boobu pour développer loolu ñetti objectif yaa ngi noonu léegi objectif bu ci nekk nag maanaam maa ngi tënk nii daa am ay activités yoo xamee ne nii moo koy lorle objectif yi daa mel ni ay avenue mu am loo koy def ay kër ak ay yaa xam waaye bu ñu ñëwee ci activités yi nañ gis ne ci objectif bu njëkk bi ñu ngi am comme activité benn bu étude environnementale et socio-économique étude boobu daanaka bu ñu yokkee tuuti ci ñaari docteurs yi li ñu wax dinañ gis ne sur le plan environnemental gis nañ njëriñu programme bu mel nii sur le plan économique mën nañoo tamit calculer
ñi nga xamé ni manam dañ day wañi seeni dépenses jëme ko ci marché ak ñi nga xamé ni day dem bu wañi seeni dépenses santé ndax plante yi bo démé ba ci biir amna ci plante yu fay gantax yi mom day yok wër bu yaram donc ñu def étude bo xamé ni day woné lool dem bo woné sax né xeyna xalé yi buñu génné ci école di jardin yoy wala ñu am jardin yoy seen biir école amna benen ndëriñ bo xamé ni dina koy am sur le plan éducation légui nak da nek lo xamé ni waref la sa yoy def liguey bo xamé ni day laala le souffle ci tab ay bâtiment ak yoy nga def façon étude bi kon mënuñu ko ñakk légui étude bo buñ ko défé dañuy génn impact yi nga xamé ni ñom ño bax ci li ñuy def ba bari génn impact yi nga xamé ni tamit xeyna amna lo xamé ni mën nañ ko wara yaq loolu ñu wara yaq tamit dañoo mëna wax nan lañ koy mëna défaraalé donc étude bobu fokk ñu def ko pour tayitu bu baax fa nak fan lañ jël légui buñ paré étude bobu ñu dali am li ñuy wax comité de gestion dafa am ay programme bo xamné mi ngi waji jé programme bi dem na ba installer juroom benn groupement Thiès Est, Thiès Nord ak Thiès Ouest fu ci ne am na ñaari groupement de production yo xamné buñ leen xayma war na ma juroom benn fukki soxna yu fay liggéey les groupements de production yo ci loolu lañ doon liggéey ba légui légui ñu ne buñu bëggé yokkat nañu dem ci quartier dal li fay am ay jardin de quartier légui kon bu boba dinañ am ay comité de gestion yo xamné ñom ñoy yoré groupement yi am ay comité de gestion yo xamné ñom ñoy yoré jardin de quartier ñoñu dañ leen wara installer buñ leen installé nak ci fan yi neew inshallah dinañ ñew ci gox yi xol ñaata lañ wara nek ñaata jeune ñoo ci wara bok ñaata mag ñoo ci wara bok ñaata jigen ñoko wara yare ñi ñi togal ci quartier bi ñu waxtaan ba d'accord ci comité yi nan la wara def légui buñu paré ci comité yoy dañuy bind nak maire commune né leen quartier bi kat bëgg nañ fa liggéey ci ni ñu waxante won ak ñom parce que maire yi réelum te wuñu ci programme bi wax manam també ñu may rek né leen kat fi mu toll ni ñi ngi créé lu ñuy wax comité de gestion yoy dañu bëgg yeen ngeen autoriser leen jox leen ak yelle fi wax ci comité de gestion yoy ñu mëna tayfu li nga xamé ni moy jardin de quartier légui maire bu boba buñu bindé leen bobu comité de gestion bu nek dina am kayit bu woor bo xamé ni teunk na li nga wara def ba paré mayna lu autorité nga def li nga wara def légui buñu paré lool ñu dal nak ni comme comité yi installé nañ leen amna no xamé ni non lañ leen wara former parce que ñom ñoy gérer programme légui nak formation yi dañu xalaat ay capacité yo xamné ñoo war nañ ko am mu nek lu toll ni juroom benn capacité dam koy wax rapidement rek agroécologie ci la bok travaux d'aménagement au jardin ci la bok ni ñi gérer jardin de quartier management de jardin de quartier ci la bok gestion des organisations ci la bok gouvernance locale manam ñu xam tamit ñi gérer comité de gestion ñu xam lan moy ak ak yele collectivité locale yi collectivité territoriale yi ñi liggéey lool lool tamit ci la bok ak suivi évaluation muy lu am solo di tayt régulièrement jardin fi ñu toll ak programme fi ñu toll lool dañ leen ci former buñ leen ci former ñom ñu nek ay comité de gestion nak bu boba nak ñu jall ci benn document buñ tuddé manuel de procédure bi day nek document bo xam dañ koy bind comité de gestion bu nek xam nan ak nan nga wara gérer ce jardin de quartier wala ce groupement manuel bobu nak mom moy nek li nga xamé ni mom moy nek manam outil de pilotage du jardin yi am lepp luy wadi walu contrat lepp luy wale xaliss lepp luy wale administration ak gestion manuel bobu war nako meuna genn légui buñ paré ci lolu ñu dal di jall ci jappu ñu jall ci légui nak aménager espace yi nak aménage espace yi moy fi mu toll ni amna groupement yo xamne ñom ñi ngi liggéey seen liggéey groupement yoy dañuy continuer ak ñom waye amna ay comité yi ñu wara indi ci quartier yi ba paré comité yoy ñom ño wara gérer ci jardin de quartier yi ci yi nga xamé ni ñort nañ ko né fofu lay amé dem nañ ba visiter fa amna ci yo xamé ni amna ay aménagement yi ñu ko wara def kon lool mo waral aménagement des espaces légi buñ aménager espace yi muy clôturer muy yokk suuf ak lu mu mënti ne ci jardin yi parti bi légui nak bu boba ñu dal di commencer exploitation manam bay ben defar parcelle ak yoy légui nak ci buñuy def non dañuy installer walé ay point de vente yo xamé ni xalaat nañu ci biir stratégie bi mu nekk 19 ci biir biiru Thiès yo xamé ni li ñuy bay mu joggé ci jardin ak ci groupement yi bu fekké ñukoy bay consommer wuñ ko fofu lay dem directement dañu dajal won danaka ku tej ben projet bo xamne dañ ko tambu waye lu wessu lolou dafa am ay diego yu ñu defoon yo xamne dafa dem ci walu mbay
ci dëkku taax yi. Mais bu suñu nee bay ci dëkku taax yi, comme léegi ku ne xam na ni dëkk yëpp daanaka léegi ay dëkki taax lañ, ñoom nañ ko daan defee dañ ko doon def ci biir kër yi. Tey nag partenaire bi nga xam ne moom lañ doon liggéeyal liggéey boobu ci 2012 ba léegi, mu sant ñu ne nañu xalaat ay pexe yoo xam ne suñ ko lalee mbir mi dana gën a siiw, dana gën a law, waaye itam booleb autorité yoo xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi, moo xam service bi, moo xam élu nga, moo xam koo mënti doon. En tout cas képp koo xam ne da nga amee baat nga mën cee dugg sóobu ci ba nga xam ne liggéey bi day gën a yaatu, nit ñi gën koo xam. Waaye la nga xam ne moom la nit ñi séntu ci liggéey bi pour seen nekkin ci biir askan bi ak ci seen dund ak ci seen wér-gu-yaram, mbir mi gën a yaatu ba ñu xam ko ba pare di ko jëfee. Promotion agriculture bio war nañu ci góorgóorlu bu baax a baax. Bu ñu sañoon loolu la ñuy lekk, parce que avant légumes yi ñu daan lekk am na fanweeri at. Légumes yu baax la woon parce que ñu daaw ñu utiliser engrais chimique, daaw ñu utiliser également pesticide. C' était très naturel. Loolu la moom ci lañu war a dellu si. Dellu si amélioré ko parce que am na pesticide yoo xam ne pesticide bio la. Maanaam par exemple huile de nîmes yeeg yooyu mën na rey gunóor yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg def ci suñu plantation.